Je joue avec le mode Diplomatie en voie bêta 2. Alors, quel est ce mode? Il est complètement gratuit et disponible sur Steam Workshop si vous voulez directement le télécharger. Il est compatible avec les nouvelles versions du jeu et les DLC. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il rajoute. Le mode possibilité, en plus ce mode-là, il a une grande capacité, c'est qu'il est traduit en français, pas comme la plupart des autres modes. Ce mode-là est vraiment traduit en français. Vous avez envoyé, c'est un envoyé. Il va avec quelqu'un qui va donner du prestige par mois et aussi de l'opinion culturelle plus 1 à plus 5. Vous pouvez sélectionner, vous allez choisir un envoyé, par exemple cette personne-là, votre chevalier. Je vais sélectionner. Bon, ça va me coûter 0,30 d'or par mois. J'aime bien, c'est quand même bien. Maintenant que vous avez un envoyé, vous allez sélectionner le poste d'envoyé à votre cour parce qu'il faut être obligatoirement être un roi pour le faire. Vous avez la possibilité, par exemple, le roi d'Angleterre. J'ai envie d'aller voir chez lui. Du coup, on va envoyer un émissaire. L'envoyer. Ça va nous coûter 40 d'or et 80 de prestige. Mais attendez, vous allez voir tout de suite. Dès que je vais cliquer sur envoyer l'émissaire. On va envoyer l'émissaire. Clac! On se retrouve dans la cour du roi de Wessex. Et notre envoyé est arrivé. C'est ce personnage-là. Regardez, ils ont même fait l'animation des personnages. Vous avez une sorte d'interface de diplomatie qui vient d'apparaître. Spécial pour avancer, pour aussi échanger. Vous avez la répartition des valeurs, opinion, bon, il m'aime pas tellement, du coup, on a à moins 1 directement, évolution des compétences et très diplomatique, moins 1, parce que le mec est pas doué. Alors, nous avons ici dans les titres, si on veut échanger un titre par exemple, si je veux récupérer un comté, un territoire, une baronnie, quelque chose en Angleterre, hop, je fais comme ça. Et tout de suite, hop, regardez, vous voyez, titre demandé, moins 33. Qu'il soit complètement défavorable et qu'il nous rejette. Vous avez 14% est tellement en colère qu'il coupe toutes les offres futures. Quand même, c'est sacrément balèze. 14% est grandement insulté. Et 71% qui est juste insulté classique. Pour faire cette offre. Bien sûr, là, il va pas vouloir. Parce que ça coûte trop cher et que récupérer quelque chose comme ça coûte très très cher. Vous avez aussi des vassaux, carrément, vous pouvez changer un vassal. Alors que là, je peux dire, hop, je vais changer ce vassal-là, plus 111. Ah, tiens, plus 111, très bien. Je veux ton titre en même temps. Voilà, je vais changer un vassal, je peux récupérer des titres. Peut-être, si vous voulez récupérer certains titres, en échange de vassaux. Ça peut être bien. C'est quoi? C'est un comté. Comté de Bourbon. Vous avez possibilité aussi de faire des mariages. Bon, il n'a personne à marier vu qu'il n'a pas de famille. Et aussi la possibilité de demander, offrir de l'or. Je peux offrir de l'or, ça va augmenter la conséquence positive. 31%, que 31%, mais c'est plus 2 de positivité qu'il accepte. Ou tout simplement demander de l'or. Peut demander de l'or. Vous avez aussi alliance, vous pouvez directement demander une alliance. Alors là, par exemple, j'ai une alliance possible. Hop, je vais mettre de l'or, je vais lui donner un peu d'or. On peut carrément acheter la salité de cette personne. Hein. On peut carrément le faire pour qu'il donne notre vassal. Bon, il est à moins 9, 9, 4, 4, 4. Il n'a pas envie d'être vassal. C'est pas grave. 40% qui n'acceptent pas l'accord. 40% qui y sont insultés. On peut tenter. On va envoyer. Je t'insulterai. Bon, il n'a pas voulu. Tant pis. Tant pis, on va voir quelqu'un d'autre. En Andalou. On va envoyer un émissaire là-bas. Pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Bon, on est à moins. Ça, on est plutôt bien. Artefact du coup. Un titre. Plus 11, 51% d'accepté. Est-ce qu'on peut lui proposer un peu d'argent? Toujours un petit peu, oui. 56% d'accepté. On va envoyer l'offre. Est-ce qu'on aura l'artefact ou pas? Vous le verrez. Proposition fantastique. Je dois accepter. Voilà, je paye l'or. Je lui donne un bout de terrain. Bon, c'est un bout de terrain. C'est par exemple. Hein. Par exemple, je lui donne un bout de terrain là-bas. Pas chercher, mais bon. Et du coup, maintenant, j'ai son artefact qui est à ma cour. Juste ici, on va aller à la cour royale, sélectionner l'artefact, et voilà, maintenant il est à moi. Alors que c'est un artefact à eux. Et maintenant, on l'a. C'est quand même plutôt pas mal. On va voir avec le roi de Bretagne. Alors, ce monde a récupéré un peu d'argent. On va voir avec le roi de Bretagne. Qu'est-ce qu'il a à vendre? Page Pagne de Jésus. Waouh! C'est plutôt rentable, ça donne des sacrés bonus. Hop, on peut l'avoir aussi. Ou sinon, on peut pas le vassaliser, le roi de Bretagne. Qui est vraiment, on peut avoir une alliance possible. Sans pour autant se marier. Hein. Faire juste un mariage. Ou un vassal. On ne pourrait pas récupérer un vassal du roi de Bretagne. Qu'est-ce qu'il a comme titre?
Ah tiens, hop, on va lui donner un vassal. On change une alliance. Je lui propose d'accupérer son comté, machin. Le duché de Bretagne. C'est quand même balèze le duché de Bretagne. Non. On a un titre. On peut lui demander ça. On peut lui demander un vassal de son côté. Il a l'air d'être content. Il a combien de titres, ce vassal-là? J'ai reçu votre offre. Hop, on accepte. Bon, maintenant, nous, on a récupéré les vassaux en Bretagne, mais en même temps, lui, il a récupéré des bouts chez nous. Enfin, vous voyez bien. Voilà, ce qui fait qu'au final, ça ressemble à ça. Bon, c'est par. Voilà, c'est pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. Aussi aller voir les Nordiques. Tant que c'est dans notre sphère d'influence et tant que c'est à côté de chez nous, on peut envoyer des émissaires. Voilà, c'est un petit mode très sympathique. Vous pouvez vraiment faire des échanges. Bon, je vous conseille pas de faire des échanges de territoire avec d'autres personnes, hein, mais vous pouvez faire au moins donner un peu d'or à des personnes pour avoir une alliance ou soit échanger des artefacts ou si vraiment la personne vous adore, s'il y a des bonnes opinions, parce que plus elle aura d'opinions vers vous, plus elle aura de chances d'accepter les contrats de missionnaires, vous aurez la possibilité de faire des sacrées affaires. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça rajoute un petit style à ce jeu qui manquait un peu d'aspect diplomatique entre les différents royaumes. Et là, bon, la France ressemble à n'importe quoi. C'est pour montrer, c'est un test. Mais voilà. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire ou de vous abonner. Allez, au revoir.